est rendu le soir. Je voulais juste vous montrer rapidement là, ce qu'on a fait ce soir, que je suis contente, ce qu'on a fait aujourd'hui. Puis bon, il y a un petit peu de bordel là, regardez pas tout, mais ça, bien contente de ce qu'on a accompli aujourd'hui. Puis là, je m'en vais dans la douche et faire dodo parce que je suis vraiment fatiguée. Je suis allée chercher deux rouleaux Star roulés, genre, je sais pas si vous me suivez là, mais j'allais chercher ça chez Ikea parce que les filles, les trois filles dans leur chambre, ils ont un rideau comme transparent, fait que je voulais leur prendre une toile pour Annabelle et Florence, puis pour Charlotte parce que ben, je remarque que le jour, on dirait qu'elle a plus de difficultés à faire ses siestes. Puis je me dis que si c'était moins clair, probablement que ça irait mieux. Fait que je suis allée chercher ça tantôt. Puis quand je suis allée, j'ai trouvé des petites lumières pour mettre sous mes armoires. Puis je trouve ça trop beau, ça change. Genre, c'est juste comme parfait. Là. Moi, j'adore ça. Fait que là... regardez pas ce que j'ai mis sur ma tablette, ok, en haut, c'est genre n'importe quoi. Mais, je vais vous montrer ça. Fait que, vous voyez, on a mis des lumières là, puis là et là. Mais ça fait bizarre, là, à la caméra comme ça, mais bon. C'est ça. Fait que la tablette que Fred a mis là, je trouve qu'elle est vraiment épaisse, mais en tout cas... J'aurais aimé ça qu'elle soit plus fine, comme, mais il dit, ben là, il dit, c'est juste ça qui me restait comme bois, puis il dit, ça va être ben, ben solide, fait que, ok, boss. Fait que voilà. Ça, c'est une fausse plante. Puis ça, c'est le pot là, puis tous les petits pots là, c'est ce que j'avais dans le coin là-bas. Puis celui-là, il va dans mon bureau, mais là, c'est parce que je trouve qu'il est pas beau. Je sais pas trop quoi faire. Comme, je sais pas si on voit la terre là, mais non, on voit pas bien, mais il y a comme l'espèce de blanc dessus, mais c'est pas moisi, c'est juste comme, je sais pas ce que c'est. Fait que je m'étais dit peut-être que j'allais changer la terre ou quoi là. Regardez, ça fait comme pas beau sur le dessus, comme il sèche ou je sais pas quoi. Ouais, fait que je sais pas trop. Fait que là, c'est ça. Puis ça, c'est les blocs avec les petites récompenses que les enfants vont pouvoir se choisir. Puis là, ma plastifieuse est brisée. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais ma plastifieuse est brisée. Puis je voulais faire des beaux coupons comme pour les sorties puis ces choses-là. Mais là, je sais pas encore comment je vais m'arranger pour faire ça. Je vais trouver une solution. Mais tu sais, c'est sûr qu'idéalement, j'aurais aimé ça... J'aurais aimé ça plastifier les affaires. Je trouve que ça aurait été plus le fun, mais bon. Fait que c'est ça, je vous ai pas montré tout ce qu'il faut. Les petites lumières, mais dans le fond, c'est ça ici. Vous voyez le beau... J'ai mis du tape pour tenir les cornes. Puis ces deux-là sont pluggés ensemble. Puis il est pluggé derrière le frigo. Mais tu sais, comme ça paraît pas, ça t'entend? Comme ça. C'est moins apparent que si, mettons, je l'avais plugué là, puis là, il y avait tous les gros fils, parce que c'est comme... tout ça de fil. Puis là-bas, ben, dans le coin, j'ai mis derrière la cafetière. Fait que, hein, camouflage 101. Puis il y a vraiment long de fil, fait que... En tout cas, c'est ça. On peut plugger trois fois des bandes comme ça après un espèce de plateau de même, là, je sais pas trop comment appeler ça. Là. Vous voyez, il y a comme trois trous sur le dessus. Puis il y a différentes longueurs. Fait que ça, c'est vraiment chouette. Comment voir si je m'aurais pris plus long pour là. Mais en tout cas, c'est pas grave. Là. Comme ça, ça paraît pas tant. Mais c'est bizarre à la caméra. C'est pas comme en vrai, on dirait. Comme on voit plus la lumière à la caméra, je trouve. Mais en tout cas, c'est peut-être juste aussi la façon que je suis. L'angle dans lequel je suis, je sais pas trop. Mais bon. Fait que c'est ça. Ça, c'est comme pas placé, là. J'ai mis ça en attendant comme ça. C'est sûr que je veux laisser le pot avec les récompenses parce que je veux que les enfants voient.
puis que ça les motive. Puis c'est ça, il reste leur peau à mettre là aussi. Puis les plantes, bon ben ça va changer parce que je viens de vous en parler. Puis en passant là, ça, chez Costco, j'en ai acheté un paquet, c'était comme 11$. J'en ai mis partout dans ma maison. Ça donne vraiment beaucoup, beaucoup de petites fleurs comme ça, puis ça sent super bon. Fait que j'en ai dans ma salle de bain en haut, j'en ai dans ma salle à dîner, dans ma cuisine, dans mon bureau, sur ma table de chevet. J'en ai vraiment comme partout. Fait que j'en ai même ici. Ici, j'ai mis les deux, là, comme ça. C'est ça. Je suis bien contente de tout ce qu'on a fait. Puis, j'ai aussi acheté deux étagères comme ça. Il y en a une que je vais installer dans ma chambre, puis l'autre probablement en bas ou dans la salle de jeu des enfants. Je sais pas encore parce que je veux faire quelque chose de spécial dans la salle de jeu. Mais je vous dirai pas tout de suite parce que je veux vous faire une genre de... En tout cas, je vais vous montrer la salle de jeu quand elle va être toute finie. Là. Fait que c'est ça. Ah! Dernière chose que je veux vous dire. Tantôt, je suis allée chez Costco. Puis j'ai acheté les brownies et mon dieu, ils sont vraiment bons. C'est comme un gros paquet qui en a 5 dedans. Puis c'est ça, j'en ai fait un tantôt. Puis ils sont excellents, fait que là je vais les ranger. Parce que j'ai comme une mouche qui a décidé qu'il rentrait dans la maison aujourd'hui. Fait que c'est tout. C'est tout, je vais vous dire bonne nuit. Parce que là j'ai un petit peu qui vient de se réveiller. Je vous dis bonne nuit. Bye! Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Ça me fait full plaisir. Suivez-moi sur Instagram, Facebook. Voilà. Et ma chaîne principale. Ça vous intéresse, je parle de maternité. Dis bonne nuit. Dis bonne nuit. Fais des bye-bye d'abord. Bonne nuit. On va aller se coucher. Alors, je suis vraiment désolée, j'ai vraiment de la misère avec ma caméra ces temps-ci, ça me fait un peu capoter, mais bon, j'espère qu'elle me lâchera pas bientôt. Je voulais juste vous montrer parce que là, je suis en train de faire du montage et je fais autre chose en même temps parce que j'étais un petit peu multitasking dans la vie. Fait que je suis en train de faire les genres de séparateurs là, pour le garde-robe de Charlotte. Finalement, j'ai décidé de faire ça bien bien simple, puis d'utiliser des cartons comme ça, des étiquettes... à cadeaux. Ceux-là, je les ai pris chez Ikea. Puis j'utilise la genre de corde de jute ou je ne sais pas comment appeler ça. Fait que c'est ça. Fait que je vous montrerai ça dans la vidéo du room tour à Charlotte. Mais c'est ce que je suis en train de faire puis je voulais vous le montrer brièvement. Puis c'est ça, sinon je suis en train de monter un vlog là puis je pense que ça va être bien fun. Puis je voulais vous parler parce que j'ai montré des images, mais je vous en ai pas parlé. En tout cas, je pense que je vous en ai pas encore parlé. Mais dans le fond, cette année, je vais être ambassadrice pour Baby Cardio. Puis c'est vraiment une façon de s'entraîner, dans le fond, qui me rejoint. Les valeurs du centre et tout, ça me rejoint puis tout. Fait que je voulais vraiment vous en parler plus en détail. Puis là, ça me dit que j'ai plus vraiment d'espace sur ma caméra, mais bon, je vais essayer de faire ça vite. Dans le fond, il y a plusieurs centres où on peut s'entraîner bébé cardio, puis il y en a de plus en plus, là. Il y en a qui vont ouvrir prochainement, genre à Sherbrooke et tout. Fait qu'en tout cas, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations pour aller voir s'il y en a un près de chez vous.
Mais moi, j'ai commencé à m'entraîner à celui de Longueuil. Puis j'aime vraiment ça. On peut apporter bébé. On répond à ses besoins si jamais il pleure ou quoi que ce soit. Il y a d'autres bébés, genre, qui peuvent pleurer dans le cours, puis ça dérange personne. Puis c'est bien correct comme ça. Fait qu'on s'entraîne. Moi, je fais des cours en ce moment pour vraiment venir travailler les muscles stabilisateurs puis le périnée. Donc, parfait pour le postnatal. Puis j'aime vraiment ça. Je suis aussi allée à un cours bébé Bouchou avec Charlotte qui comme fait pratiquer le plus le côté moteur des enfants. Ouais, je disais, je suis allée aussi à bébé Bouchou qui fait travailler dans le fond le bébé. C'est une espèce de petit parcours. Puis au début, il y a des chansons et tout. Fait que ça fait découvrir aussi les textures aux enfants. Bref, c'était vraiment le fun. Puis là, c'est ça. Je m'entraîne là-bas cette année, puis c'est vraiment, tu sais, c'est pas les gros entraînements vraiment rushants puis tout là, comme au gym, là. C'est vraiment plus comme, je sais comme plus où j'étais rendue. Fait que là, je m'excuse, mais en tout cas, le fait qu'on puisse apporter bébé, qu'on puisse le nourrir, qu'on n'ait pas peur si jamais il pleure ou quoi que ce soit, je trouve ça vraiment fun. Puis c'est ça, je pense que ça pourrait être intéressant pour n'importe qui est en postpartum puis qui veut voir un peu des gens puis qui veut comme tranquillement se remettre en forme. Je pense que c'est quelque chose de super intéressant. Fait qu'en tout cas, si jamais vous y allez, dites-moi là, ce serait vraiment cool de s'y croiser là-bas dans le fond. Puis si jamais c'est le cas et que vous me voyez, ben n'hésitez pas à venir me parler parce que ça va me faire super plaisir de rencontrer mes abonnés. Fait que c'est cela. Donc je me remets à mon montage et à mon découpage puis à mon assemblage d'affaires.